Alors aujourd'hui, c'est le regroupement en fait de partenariats qui se sont constitués entre des enfants qui sont en institutions spécialisées, donc notamment les IME, prises en charge donc de la déficience psychique et mentale, avec des jeunes de l'éducation nationale, donc des scolaires. Au départ, l'idée c'était de travailler sur d'accompagner en fait les enfants qui sont en institut et qui n'ont pas de possibilité de rencontrer leurs homologues de classe scolaire. Le dispositif s'adresse à des enfants qui n'ont pas l'habitude de vivre des temps scolaires par rapport à leur déficience. Alors, l'éducation nationale a créé un dispositif qui s'appelle le dispositif ULIS, à la fois en école élémentaire et à la fois en collège. Et ce projet-là s'adresse à ceux qui n'y ont pas accès. Et l'idée, c'est qu'au travers du sport, on crée des partenariats de proximité entre l'établissement scolaire et l'établissement spécialisé. Et l'idée, c'est qu'ils chaque année, ils puissent se réengager pour travailler ensemble avec de nouveaux élèves, avec de nouveaux jeunes de l'Institut, et d'inscrire ça dans la durée. Eh bien, ça se passe très bien, on a passé la matinée, on a fait une grande parade tous ensemble. Et là, les élèves sont sur les activités sportives depuis 10h ce matin. Ils ont un temps de prise de connaissances où l'institut spécialisé vient sur l'école, visite l'école, etc. Et des fois, inversement. Et ensuite, ils ont des temps de préparation à la rencontre d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils ont des créneaux d'animation sportive autour du rugby et autour de l'athlétisme pour être prêts le jour de la manifestation. Et ces petits temps en fait, de rapprochement, regroupement collectif, permet en fait aux élèves de l'école de voir ce que c'est que le handicap, comment il faut s'adapter avec eux, comment on peut les aider, comment ouvrir un peu son esprit. Et inversement, les enfants qui sont en situation de handicap se retrouvent dans un grand groupe classe à l'intérieur d'une école. Et très souvent, il y a des temps de récréation qui sont partagés, des petits goûters qui sont partagés. Et c'est là en fait qu'on distille un petit peu de manière plus ou moins sur le moyen terme un principe d'inclusion.